Et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron et ceci sera une vidéo tricot discussion où je tricote un projet et où je discute. Voilà, j'avais envie d'essayer un nouveau format, d'où le canapé, le cadre un petit peu plus tristoun, mais c'est là où je suis à peu près confortable pour filmer cette vidéo. J'ai d'autres idées pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez envie de voir comme sujet de discussion. Aujourd'hui, je tricote une troisième version d'un de mes modèles. Il s'agit du modèle d'Ariane, qui est un patron qui avait été publié dans le numéro d'hiver dernier du magazine Pom Pom. Et en fait, je vais bientôt récupérer les droits, donc republier le patron individuellement en décembre. Et comme c'est un patron à multiples possibilités, j'ai envie de bien montrer toutes les variantes possibles. Donc voilà ce que je tricote. Je vous en parlerai plus en détail le moment venu. Et le sujet de discussion pour cette vidéo, ça va être une petite foire aux questions. Je vous ai demandé quelles seraient éventuellement les questions que vous auriez ici sur YouTube. J'ai aussi collecté des questions sur Instagram. Donc si je regarde ici, c'est parce que j'ai ma liste de questions auxquelles je voulais répondre. Et voilà, alors je ne vais pas texto lire les questions des gens, puisque y a pas mal de monde qui ont posé soit des questions très similaires, soit au contraire plusieurs questions différentes. Et donc j'ai un peu regroupé par thématique et réarrangé de sorte à ce que ce soit un peu cohérent en termes d'ordre. J'ai un peu essoufflé, je vais monter et descendre les escaliers. La première question, le basique, à quel âge j'ai appris à tricoter? Comment j'ai appris à tricoter? Je ne sais pas. j'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question parce que je sais que les gens ils aiment bien avoir une petite histoire mignonne de tradition familiale, etc. Moi pas du tout. Personne ne tricote dans ma famille, personne n'a vraiment de loisirs créatifs. Enfin, j'ai un cousin qui est musicien. Mais sinon, personne ne tricote ni le coup. Ma grand-mère maternelle savait tricoter. Et c'est là que c'est la première fois que j'ai tricoté, c'est chez elle. Mais elle, je ne l'ai jamais vue tricoter. Elle ne tricotait pas. J'ai jamais vu avec des vêtements ou des projets. Quel qu'il soit chez elle, il n'y avait pas de projet fait main. C'est ma grand-mère maternelle et quand voilà les photos de ma mère petite et de mes oncles et tout ça, il n'y a pas de tricot. Donc je me demande si ce tricot qu'il y avait là chez elle n'était pas à sa sœur en fait. Je pense que je devais avoir entre 8 et 10 ans, je ne sais pas exactement, peut-être 11. Il y avait un panier avec de la laine, je me souviens que la laine était bleue. Et il y avait un projet en point mou, c'était un carré. Je ne sais pas si c'était censé être une écharpe ou autre. Mais voilà, pour vous dire à quel point ma famille ne tricotait pas. C'est-à-dire que le seul projet tricot que j'ai vu chez ma famille, c'était un truc au point mou. Qui est généralement peu apprécié des tricoteurs. Mais il y a un petit renouveau du point mou, disons, en ce moment. Mais oui, donc il y avait un truc au point mousse et j'ai demandé à ma grand-mère de me montrer comment faire. Et elle m'a montré donc là, une maille en droit et j'ai dû faire, je sais pas, deux rangs. Et puis c'était la fin de ça. C'est la fin de cette histoire. Puisque après, bah, voilà, elle tricotait pas, elle m'a pas appris plus que ça. Et moi par contre, j'ai toujours été intéressée pour bidouiller des trucs. Je sais pas du coup d'où ça me vient ni pourquoi. Mais j'aimais bien les trucs manuels et ça, au lycée, fin collège, début lycée, j'ai commencé à faire de temps en temps des projets tricot. Alors je ne saurais pas vous dire, mais mon tout premier projet, je ne me souviens pas. Je me souviens de certains projets. Je me souviens que j'ai fait des mitaines en jacquard, un tour de cou au point de riz, un marque-page avec un point tricolore et que je dois avoir quelque part, mais je pense qu'il est chez mes parents. C'était des gants. Oui, je me souviens que j'ai fait des gants gris.
que je n'ai pas fini. Il manquait deux doigts. Voilà. C'est les premiers projets dont je me souviens. Je sais que je cherchais sur internet et à ce moment-là, il n'y avait pas autant de trucs. Mais j'ai souvenir de trouver des tutoriels avec des photos et quelques explications sur des blogs, des articles, pour faire des trucs précis. Et donc c'est ça que je faisais en fait, je voulais quelque chose, faire quelque chose de précis, donc je trouvais, je cherchais comment faire. Je me souviens qu'à un moment j'avais des magazines Bergère de France, mais c'est ma mère qui les avait achetés parce qu'elle voulait que je lui fasse quelque chose qui était dans le magazine. Et donc j'ai appris avec ça aussi, mais il devait y avoir deux projets seulement. Je me souviens d'un gilet et l'autre, je sais qu'il n'y a pas que le gilet, mais je sais plus quoi, je me souviens même plus. Une très bonne mémoire dans le passé, disons. Oui, la mémoire, parce que la mémoire dans le futur, c'est compliqué, Audrey. Oh là là. pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais oui, j'ai toujours un peu cherché, c'est-à-dire que si je voulais faire quelque chose, j'ai plutôt tendance à prendre le truc et à bidouiller jusqu'à ce que ça marche. Donc je sais, par exemple, que quand j'ai appris à tricoter comme ça, j'essayais de me souvenir de cette fameuse maille en droit. Et en fait, instinctivement, la façon dont j'ai appris à tricoter, c'était la méthode combinée. La méthode combinée, c'est tout simplement les mailles qui sont montées dans l'autre sens. Donc au lieu d'avoir la jambe droite de la maille devant, elle est derrière. Et donc les mailles ne sont pas torses. Les mailles, elles sont juste dans l'autre sens. Elles ne sont pas torses tant que vous ne les tricotez pas en fait. C'est parce que vous enroulez le fil dans l'autre sens. Et donc ça met les mailles dans l'autre sens et vous les tricotez par le brin arrière. Voilà. Et donc j'ai tricoté comme ça pendant très longtemps, jusqu'au moment où je me souviens très bien que j'ai voulu faire des côtes torses. Et sauf que les instructions, c'était tricoter la maille torse en la prenant par le brin arrière. Je dis mais moi c'est ce que je fais depuis le début et ça fait pas des mailles torses. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, ah, la maille de la photo, elle est dans l'autre sens par rapport à la mienne, et c'est pour ça que voilà, un des exemples de trucs. Et c'est parce que quand j'ai appris, quand j'ai fait mes premiers projets là, mes premiers trucs, mes premières mailles, ben j'ai pas cherché à de... Il n'y avait pas vraiment de vidéo. Enfin, Ravelry est très très vieux, hein, par exemple. Mais moi, j'ai connu Ravelry très tard, parce que je n'étais pas vraiment au fait de la communauté créative sur Internet. Moi, j'étais plutôt sur les forums de jeux vidéo, etc. Et du coup, quand je cherchais un tutoriel de loisirs créatifs, je cherchais un truc spécifique et pas forcément à apprendre les bases. Et du coup, les bases... Je l'ai fait en bidouillant et du coup, il y a certains trucs que j'ai appris d'une manière pas correcte ou du moins pas de la façon dont la majorité des gens apprennent. C'est pas une erreur de tricoter en méthode combinée, hein, c'est juste une façon de faire différente. C'est pas une erreur quand vous le savez. Voilà. Et moi, je savais pas ce que je faisais. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Et je tricote régulièrement depuis. Disons que je tricote beaucoup plus. Peut-être depuis mes 22 ans, voilà, de mon lycée jusqu'à mes lycées études, je tricotais occasionnellement. Voilà, je faisais quelques cadeaux, quelques trucs. Et je pense, oui, depuis mes 22-23 ans, je tricote beaucoup plus. Voilà, et très, quasi quotidiennement. Je ne tricote pas tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui suis aparté. C'est une vidéo discussion. Je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin de mon tricot tout le temps. Je sais que c'est quelque chose qui arrive à pas mal de monde d'avoir cet affect à l'objet, enfin avoir son projet avec. Qu'est-ce que je fais ? À avoir son projet. J'alterne les échauds, donc j'ai des fils partout. À avoir son projet avec soi, que vous ne pouvez pas ne pas tricoter. Moi, pas du tout. Hein. Moi, par exemple, si je pars en vacances une petite semaine et que je sais que ça va être des vacances de vadrouille et d'exploration et que ben, je ne vais pas forcément avoir de moments de détente, je ne vais pas prendre de tricot. Voilà, je préfère prendre un livre et le reste du temps ben, faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, je n'ai pas cet impératif de tricoter, disons. Mais je tricote. Disons, dans mon état normal, je tricote tous les jours, voilà, et ça depuis voilà, 22-23 ans. J'ai 31 ans, si jamais. Je sais que les gens me trouvent parfois beaucoup plus jeune et que du coup, ça
Ça leur fait bizarre quand je leur dis que je tricote depuis plus de 15 ans. Ils se disent, mais attends. Voilà. Je sais que parfois j'ai des gens qui ont la petite quarantaine et qui me parlent comme s'ils pouvaient être mes parents. Non. Enfin, techniquement peut-être, mais non, j'ai bien 31 ans. Ce qui est somme toute très jeune. Ouais, ça fait du coup, disons, une petite quinzaine, une bonne quinzaine d'années que je tricote. Ensuite, j'ai pas mal de questions par rapport à mon activité de création de patron. Normal, c'est normal. Est-ce que c'est mon activité unique? Oui, c'est mon activité unique. Alors, ça me fait toujours rire quand on me pose cette question. Je dis non, non. Je sors 3 patrons par mois, 15 vidéos pour Patreon et je fais aussi un 35 heures. Voilà. Non, c'est mon activité unique. Je pense qu'il y a des... Comment dire? On est tellement habitué à ce que les gens se surchargent de travail. Et il y a des exemples. Il y a des créateurs qui ont un travail à temps plein autre, ont 15 enfants et aussi font des patrons parce que ces personnes ne dorment pas. Bon, j'exagère, mais je pense qu'on a une mauvaise conception du temps de travail que ça prend de faire des patrons et qu'il y a tellement de gens qui font ça sur le plus. Enfin, qui du coup. Comment dire? Ont des journées de travail, si on prend trop en compte, si on prend le travail de bureau ou autre qu'ils ont. Plus les enfants, si c'est des personnes... Alors je compte les gens qui... Les parents au foyer, je les compte comme un travail à temps plein. Hein. Plus, en plus de faire une activité comme ça, en plus, de création de patrons de tricot ou autre, on a tellement l'habitude que les gens cumulent 5000 activités que on a l'impression que... les choses prennent moins de temps. Non, c'est pas ça, c'est juste que les gens travaillent trop. Voilà. Calmez-vous. mais oui, c'est mon activité unique. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Comment est-ce que j'ai décidé de faire ça? En fait, c'est une combinaison de différentes choses. J'ai dû à un moment interrompre mes études, en fait, et revenir pour des raisons personnelles et familiales. J'ai dû... revenir aider mes parents et je cumulais les emplois dans mes supermarchés, etc. Et ça laisse pas mal de temps pour réfléchir. Voilà. Du coup, bah, c'est à ce moment-là où j'ai un peu découvert le YouTube créatif, etc. Et à cogiter dans ces petits boulots, j'ai eu une idée d'un modèle que j'avais envie d'essayer de faire. J'ai toujours bidouillé, comme je vous le dis, j'ai toujours créé un peu mes propres trucs. Ça, c'est quelque chose que je fais instinctivement. J'aime bien essayer de créer une idée de base. J'adore suivre des instructions, mais j'adore aussi... J'aime autant les deux. Je pense que j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. J'aime autant suivre la création de quelqu'un d'autre que de faire la mienne. Et donc j'ai toujours un peu fait mes propres trucs, mais j'avais envie de voir, tiens, est-ce que éventuellement écrire un patron, ça m'intéresse, comment ça se passe, etc. J'aime beaucoup les maths. Alors j'ai fait des études en communication et avant en lettres, mais j'étais très matheuse, j'aimais beaucoup l'aspect scientifique aussi. Hein. J'ai choisi la filière littéraire parce que c'était là où il y avait le moins d'heures de cours et que je m'ennuyais à mourir au lycée et que du coup j'ai choisi là où la filière qui me permettait d'y être le moins possible. Donc c'est pour ça que je suis partie sur des études de lettres, mais j'ai toujours aimé les deux en fait, le côté littéraire, créatif, etc. Voilà, comment est-ce qu'on dit? On n'a pas le mot humanité en français, on l'utilise, je sais pas si ça s'utilise maintenant, l'histoire, etc., les langues vivantes, tout ça, et le côté scientifique aussi. Et en fait la écrire des patrons de tricot, c'est les deux ensemble. Il y a le côté créatif et il y a le côté très mathématique et très carré de comment est-ce qu'on formule des instructions. Et ça m'a énormément plu
Et donc j'ai continué petit à petit, et en fait j'ai pas vraiment décidé de faire ça en tant que métier, c'est juste que à un moment les revenus que je gagnais de cette création de patron, parce que c'était important pour moi de pas comment dire, c'est important pour moi de vous dire que je pense pas que y ait des gens qui se lèvent un matin et qui se disent ah je vais faire tel métier créatif. Ouais, je pense pas que les gens se lancent dans des entreprises comme ça de manière très consciente. Voilà. Et donc, c'est juste que petit à petit, le temps de travail et les revenus que je gagnais via mon activité de création de patron ont fini par dépasser les revenus que j'avais en cumulant les CDD, que je ne pouvais plus vraiment faire, raison personnelle, gros problème, problème de santé mentale vis-à-vis de tout ça, qui fait que je me suis retrouvée dans une situation où je suis un peu coincée, je suis un peu en dépression totale. Voilà, je fais ce qui me fait du bien, et ce qui me faisait du bien, c'était de créer des patrons. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Question un petit peu adjacente que j'ai eue, est-ce qu'il y a une formation pour être designer? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour être designer? Et je pense pas qu'il y ait de formation. Alors, il y a des formations textiles, hein, y a des choses, soit du côté vraiment créatif, stylisme, genre les écoles de mode, etc. Il y en a une à Bruxelles, le nom m'échappe. Très connue, il y a celle de... Elle n'est pas à Londres même, mais il y en a une en Angleterre, machin. Voilà, des trucs de mode comme ça, de stylisme, créatif, il y a. Et sinon, il y a tout ce qui est formation professionnelle de couture, de modélisme, etc. Mais formation, écrire des patrons de tricot, tu ne penses pas. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Non. Alors, je peux vous dire... Enfin, c'est un peu la réponse que personne n'aime entendre. Faut apprendre en faisant. La majorité des gens sont autodidactes. Ce qui aide beaucoup, c'est de regarder les patrons. Regarder des patrons de magazines de tricot. Regarder des patrons de grandes marques de laine. Parce que souvent, ça va être des endroits où le style d'instruction est fait pour convenir à la masse. Alors ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde, mais disons que c'est un style d'instruction lisse qui est, selon moi, ce qu'on doit essayer d'obtenir. Voilà, quand on écrit des instructions de patron, il faut que ce soit le plus neutre possible. Alors il y a toujours une part d'individualité, hein, évidemment, mais moi par exemple, il y a certains trucs dans mes patrons où c'est pas ma façon de penser. À moi, c'est pas moi, mais c'est juste que j'ai appris de différentes personnes et des retours que j'ai eu au fur et à mesure en discutant avec des tricoteurs ou des retours de testeurs, de tricoteurs, etc. sur mes patrons, qu'il y a une façon de formuler quelque chose qui est meilleure, parce que même si c'est pas ma façon de faire, ça peut c'est meilleur. Disons que si tout le monde dit rouge et que moi dans ma tête c'est bleu, Je vais faire rouge, hein, je vais pas être là, non, c'est moi qui ai raison, et vous avez tous tort. Voilà, donc il faut essayer de sortir de sa bulle quand on écrit des instructions de patron, et pour ça, faut regarder plein de façons de faire différentes. Vous avez certains tech éditeurs, donc des éditeurs techniques. Les éditeurs techniques, c'est des gens qui sont spécialisés dans vraiment ça, dans la rédaction d'instructions. À la fois mathématiques, donc ils vont vérifier les calculs, etc. Mais aussi, et je pense ce qui est le plus important quand on veut essayer d'apprendre à écrire des patrons de tricot, dans la formulation d'instructions, pour que ce soit le moins sujet à confusion possible. Alors c'est jamais parfait, parce qu'on a toujours des individualités, des trucs, voilà. Si vous avez un patron et les instructions ne vous conviennent pas, c'est pas forcément la faute des designers, c'est pas votre faute non plus. Mais voilà, si vous avez un patron qui a été tricoté plein de fois, qui est fait par un créateur professionnel, et que les instructions, vous, ça bug,
c'est un problème d'incompatibilité. Voilà, c'est pas que le créateur est nul et c'est pas que vous êtes nul. Voilà, pas du tout. C'est vrai que souvent j'ai des remarques parfois de personnes qui me disent mais je comprends pas, je suis trop bête, machin. Non, non, c'est pas ça. Pas du tout. C'est comme ça. On réfléchit tous d'une façon différente. Et pour, quand on a un essai de partager à des gens, il faut essayer de trouver un point commun qui va jamais être parfait pour aucune des personnes, mais qui permet de rejoindre, de se rejoindre. Voilà. Et donc, les éditeurs techniques, leur boulot, c'est de trouver les bonnes formulations. Je vous donne un exemple. Le terme répétition, par exemple, c'est un mot qui peut être sujet à confusion parce que si je vous dis faites 3 répétitions, peu importe de quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que répétition, si je répète quelque chose, ça implique que je l'ai déjà fait une fois. Donc si je vous dis 3 répétitions, ça veut dire que vous l'avez fait 4 fois, en fait. Vous voyez, on n'est pas sûr. il y a le côté, non, c'est ça que ça veut dire. Et puis il y a le côté, qu'est-ce que les gens comprennent? Donc il faut formuler les choses autrement. Voilà. C'est un des exemples, un des trucs, voilà. Et donc il y a quelques ressources, il y a des livres, notamment je pense, il y a un livre de Kate Atherly. Alors beaucoup de ces ressources sont en anglais, hein, je suis désolée. Et donc il va y avoir certains trucs qui vont être propres à la langue, mais il y a quand même la majorité des choses qui se recoupent dans différentes langues. Kate Atherly, donc, qui est une tech éditrice reconnue, qui a un livre, il y en a un qui est sorti plus récemment. Knitting Pattern, quelque chose, voilà. Vous trouverez des ressources, même des articles en ligne. Il y a des gens qui ont des, il y a des comptes Instagram dédiés à ça, etc. Voilà, ça se trouve. Des gens qui donnent des conseils sur des points précis, voilà, etc. Mais ça s'apprend en faisant, ça s'apprend en lisant des patrons et en accumulant le plus d'opinions possibles. En fait, ça c'est important, ça c'est un truc qui est important, c'est... Plus vous accumulez d'opinions diverses, plus vous allez vous rendre compte d'une part que tout le monde veut des trucs très différents et vous allez avoir un aperçu plus global. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut se plonger un peu dans la communauté tricot, il faut lire les avis des gens, il faut quelque chose qui est assez instructif. Et assez... Tiens, si vous êtes designer tricot et que vous vous sentez nul... que vous doutez sur vos capacités, etc. Allez regarder les commentaires Ravelry des patrons, même des patrons les plus populaires. Des patrons les plus populaires, des designers les plus populaires. Vous avez un designer, vous trouvez que vraiment son travail, il est parfait. Vous allez, je ne sais pas, regarder les patrons de Brooklyn Tweed, regarder des patrons d'Andrea Mori, des patrons qui sont les patrons de Tim Kanitz. Voilà, des patrons qui sont des gens qui sont réputés pour faire des instructions clair, correct, etc. Des patrons qui ont été tricotés des centaines de fois. Regardez la section commentaires. Vous avez toujours au moins une personne qui va laisser un commentaire en disant « Je comprends rien, le patron, il est trop mal écrit. » Voilà. Il y en a partout. Voilà. Vous allez très très facilement tomber sur ce genre de remarques. Soit effectivement des gens qui sont négatifs comme ça, soit juste des gens qui sont confus et qui ont des questions et qui ne comprennent pas. Voilà. Parce que c'est comme ça, hein. Les gens ne comprennent pas tous les choses de la même façon. Et voilà, c'est un peu le... C'est comme de lire les avis négatifs sur son livre préféré. Ça vous fait vous rendre compte, ah ouais, les gens, ils ont quand même des avis très très différents. Et donc, si moi, quand je fais un truc créatif, j'ai l'impression d'être nulle, parce que j'ai parfois des remarques négatives, dit mais l'autre aussi en fait, les autres aussi, voilà, les gens que j'admire aussi ont des retours négatifs, parce que c'est comme ça, tout est trop subjectif. Voilà, être dans la communauté tricot, regarder ce que disent les gens, regarder les commentaires que font les gens, les trucs qui reviennent le plus souvent, etc., ça vous permet un peu de d'avoir une impression en général de ce que les gens aiment, de ce que les gens recherchent. Je parle vraiment en termes d'instruction, je parle pas juste en termes de goût, parce que si vous commencez à chercher qu'est-ce que les gens aiment en termes de style et d'esthétique, là ça ne marche
tout simplement pas, parce que les gens vont vraiment dire tout et son contraire. Voilà. Mais vous renseignez sur les recommandations des éditeurs techniques et regardez un peu ce que les gens pensent des instructions de tel ou tel truc, là où les gens ont des problèmes récurrents. Ça peut vous sensibiliser à certaines instructions, à certains points d'instruction où vous allez vous dire, tiens, là, il faut que je réfléchisse, etc. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je pense la majorité des gens apprennent, c'est en faisant. Et après, voilà, si vous pouvez faire tester vos modèles, vous allez avoir des retours, etc. Si vous écrivez un patron, engagez un tech éditeur, alors c'est un peu compliqué. C'est payant. Les personnes qui font ce métier-là, c'est un travail à rémunérer. Mais vous pouvez peut-être trouver quelqu'un qui débute en tant que tech éditeur technique et du coup vous pouvez débuter ensemble et essayer main dans la main d'apprendre. Voilà. Mais sinon, bah, faut regarder un peu ce qui se fait et en tirer vos propres conclusions, votre propre opinion, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de formation en tant que telle. C'est un cumul de beaucoup de travail, de beaucoup de recherches, etc. Et de tâtonnement. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Aparté. Sur le crochet, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je ferais des modèles au crochet. J'en parle maintenant parce que du coup, c'est lié à tout ce que je vous disais. Depuis que je dis que j'apprends vraiment à faire du crochet, etc., j'ai pas mal de personnes qui me laissent des commentaires, alors très gentils, qui me disent « Oh, j'ai trop hâte que tu fasses des modèles au crochet, etc. » Je n'ai pas du tout l'intention de faire des modèles au crochet, je suis désolée. Alors, je vous jette pas la pierre, hein, les personnes qui m'ont laissé ces commentaires. Au contraire, je suis très touchée de votre intérêt, mais ce n'est pas du tout mon intention. Ce n'est pas du tout mon intention. En fait, faut vraiment distinguer le fait de savoir tricoter, crocheter, de savoir créer quelque chose soi-même, puis de savoir faire des instructions professionnellement. C'est quelque chose de complètement différent. C'est tout ce dont je vous ai parlé. Et pour moi, personnellement, pour être capable de sortir de ma bulle, de faire des instructions qui fonctionnent pour le plus de monde possible, et aussi d'être capable d'aider individuellement quand ça ne marche pas, c'est très important pour moi quand quelqu'un a une incompréhension sur mes instructions, d'être capable de les aiguiller, parce que ça arrive fatalement. Hein. C'est pas que si vous ne comprenez pas des instructions, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Ne restez pas dans votre coin à vous frustrer tout seul. Vous n'êtes pas bête. Non, non. C'est juste une question d'individualité et c'est une partie la plus importante de mon travail, de pouvoir repérer comment cette personne a pu penser, ou quelle est une erreur commune que les gens font, un truc, je sais pas moi, les jetés, le fameux jeté. Il y a beaucoup de gens qui apprennent à faire des jetés en faisant un jeté, une maille en droit, après, systématiquement. Et du coup, ils considèrent que le jeté, c'est jeté, maille en droit. Sauf que le jeté, c'est le jeté, et si vous faites une maille en droit, vous avez fait deux choses. Et du coup, si quelqu'un a un problème dans un compte de dentelle relativement simple, c'est une des premières choses que je vais demander, je vais dire, est-ce que vous faites systématiquement une maille en droit après votre jeté? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est commun. Et ce genre de trucs, j'en ai plein en tête. J'en ai plein en tête grâce à tout ce travail de recherche, grâce au retour des gens. En fait, quand vous me parlez à moi, et vous parlez aux centaines d'autres personnes avec qui j'ai interagi dans le passé, et je vais retrouver quelqu'un qui a eu le même problème que vous dans ma tête, et je vais dire, peut-être que vous faites comme une autre personne, et voilà. Et c'est quelque chose pour moi qui ne fonctionne que si j'ai quand même beaucoup d'expérience avec le tricot. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut des années d'expérience de tricot avant de faire des modèles. Non, non, je ne pense pas du tout. J'ai beaucoup de contre-exemples de gens qui tricotent depuis relativement peu de temps et qui font des patrons et qui font ça très très bien.
mieux que ce que moi je fais, hein, après 7 ans d'activité et 15 ans de tricot. Voilà, moi je juge un patron ou patron, j'aime pas trop quand on essaie d'avoir des a priori sur la qualité du travail de quelqu'un en se basant sur le pédigré de la personne plutôt que sur le travail. Voilà, donc c'est vraiment moi personnellement, je parle pas, c'est pas un jugement sur d'autres designers qui, comme je vous le dis, fonctionnent tout à fait différemment et fonctionnent très bien. Mais moi, pour que je me sente capable, pour que je me sente à l'aise dans ce métier, il faut que je sache ce que je fais, vraiment. Il faut que je sache faire, il faut que je sache défaire, refaire, il faut que je sache une multitude d'erreurs possibles, et ça, cet état d'esprit de ne pas être dans sa bulle, comme je vous le dis, d'être capable de penser différemment, pour moi, ça, j'ai besoin de beaucoup de temps à pratiquer le loisir. Donc, les modèles en crochet, c'est pas du tout prévu. Alors, je me connais, je suis déjà en train d'imaginer des trucs. Voilà. Je manque de batterie, je reviens. Alors, je disais, oui, on connaît. Très vite en tricot, j'ai fait mes propres bidouillages et je sens. J'ai déjà des trucs au crochet, là, je me dis, oh, je pourrais faire ça comme ça, machin. Soit parce que c'est des trucs que j'ai vus dans des films ou dans le prêt-à-porter. Je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment, le crochet est très à la mode. Dans le prêt-à-porter, il y a beaucoup de trucs en crochet. Alors, notamment, c'est très à la mode chez les jeunes, les gens qui ont 20 ans au moins. Et d'un côté, ça fait plaisir parce que je me dis, ah cool, des trucs créatifs, colorés, le crochet, machin. Mais de l'autre côté, quand c'est des marques peu scrupuleuses qui vendent des hauts au crochet à 10 euros, le crochet, c'est forcément fait à la main. Quand c'est genre Shein ou H&M, on me dit, oh. Voilà, donc je suis un peu là, oh cool, du crochet, c'est populaire, ah, je veux vraiment pas que ces marques vendent des trucs en crochet. Bref, donc il y a beaucoup de crochets en ce moment, partout, et du coup ça m'inspire beaucoup, et j'ai déjà des idées de trucs à reproduire. Mais voilà, encore une fois, si moi je fais quelque chose pour moi, ça veut pas dire que je peux faire des instructions, et honnêtement j'en ai pas très envie en ce moment. Pour l'instant, je sais pas du tout quelque chose qui me tente. Voilà, je vais jamais dire jamais, mais c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout mon intention. Voilà, je ne sais pas, dans 20 ans peut-être. Je sais pas si vous serez toujours là. Mais voilà. Par rapport à mon activité, du coup, est-ce que j'ai une organisation au quotidien? Est-ce que je fais un planning, etc.? Alors oui. Alors, le truc, c'est que quand on a une présence en ligne et qu'on fait du service client, etc., c'est toujours... on est un peu toujours... toujours disponible. Mais il y a assez tôt dans mon activité, ça fait plusieurs années maintenant, du coup, j'ai mis une grosse barrière sur les tâches de création de patron. Donc tout ce qui est rédaction d'instructions, gradations, etc. et tricot de prototype, je ne fais ça que du lundi au jeudi, et je m'arrête à 18h. Voilà. Voilà, c'est sur ces horaires-là uniquement que je tricote mes prototypes, sauf si j'ai un délai problématique, si j'ai un projet pour un magazine qui se rajoute, etc. Je peux tricoter mes prototypes le week-end, mais c'est assez rare, j'essaie vraiment de limiter ça. Et sur les autres jours, notamment sur le vendredi, je m'occupe d'autres trucs, de tâches administratives, les vidéos, etc. Parce que, en fait, je me souviens d'un de mes premiers modèles de pull où j'avais fait un appel au test. J'allais envoyer le modèle au testeur sélectionné. Et je me suis rendu compte... Avant, entre l'appel au test et le début du test, je me suis rendu compte que je pouvais changer quelque chose dans la proportion du vêtement. Et du coup, je me suis retrouvée à regrader tout un pull à 3h du matin. Parce que je n'arrivais pas à dormir.
Et du coup, bah, je me suis dit, oh, ça c'était pas cool. J'ai pas envie de refaire ça. Et donc, je ne refais pas ça. Et j'ai ces barrières-là. Moi, la façon dont je procède, c'est je fais tout de A à Z. J'ai beaucoup de mal à séquencer, à diviser mon travail et à faire les choses pas de manière continue. C'est-à-dire que si je commence un modèle, donc quand je commence un modèle, je le conçois, j'écris une ébauche des instructions, je tricote mon prototype en finalisant les instructions en même temps. Une fois mon prototype il est fini, je fais l'appel au test. Et ensuite, il y a le processus du test, et ensuite, c'est la sortie. Et je fais tout ça en continu. Je n'arrive pas à tricoter un prototype. Oh, je le mets en pause, j'écrirai les instructions plus tard, et là, je commence autre chose. J'arrive pas. J'ai beaucoup de mal. Les fois où je dois faire ça, parce que j'ai des projets pour des magazines, etc., et où il faut que j'ai différents projets au même stade en simultané, ça me perturbe beaucoup. Je suis quelqu'un qui j'ai besoin de. Je fais de A à Z, je commence, je finis. Voilà, j'ai besoin de fonctionner comme ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je procède. Je travaille sur un modèle en cours. J'ai des tâches récurrentes du style, voilà, je prépare telle vidéo, je m'occupe de trucs pour Patreon à des dates précises au cours du mois. Une fois par semaine, je prépare mes posts sur les réseaux sociaux. Voilà, et ensuite c'est sur le patron sur lequel je suis en train de travailler, à quel stade j'en suis. Voilà, et je ne me mets pas de délai, c'est-à-dire qu'il y a certains prototypes qui se tricotent beaucoup plus rapidement que les autres, et c'est comme ça. Je ne peux pas vraiment estimer la durée de tricot que va prendre tel ou tel modèle, parce que des fois, je vais avoir des imprévus, je vais avoir plus de trucs à gérer niveau test et devoir passer plus de temps à répondre à des gens, etc. J'ai des envies de vidéos particulières, ça va me prendre plus de temps, etc. Et d'autres fois où j'ai rien d'autre à faire que de tricoter ce prototype et alors là, et ça avance plus vite. Et c'est pas quelque chose que je veux prévoir, c'est pas quelque chose que je veux forcer. Donc en fait, quand je sais que je vais commencer bientôt un modèle, c'est-à-dire que je suis en train de finir le précédent, voilà. Je sais pas, il me reste une manche, un truc comme ça. Je vais me noter, ok, tel jour, je vais faire un échantillon pour le prochain projet. Et une fois que j'ai fini le projet, je commence le suivant, donc j'écris les ébauches, l'ébauche des instructions, etc. Et je fais comme ça. Et quand j'arrive à peu près à la fin de mon projet, voilà, j'essaie de jauger. Je me dis, bah, si c'est un châle, je vois bien quand je vais arriver au bout de ma laine, quand c'est un pull, j'ai les dernières étapes, etc. Mais je ne me dis pas dès le début, ok, toi, je te tricote en 2 semaines. Parce que ça marche pas. Voilà. Sauf si c'est un petit truc, par exemple, ce coussin-là, j'avais déjà fait celui-là. Donc les instructions, elles étaient prêtes. Alors ça va sortir. Voilà, c'est un de mes modèles. J'avais déjà fait celui-là. Les instructions, elles étaient prêtes, tout était bon. J'avais juste à faire ce deuxième prototype. Je savais à peu près combien de temps ça allait me prendre parce que c'est la moitié de l'autre. Et du coup, là, je me suis dit, en une semaine, ça doit passer. Mais si ça passait pas, c'était pas grave. Voilà. Et c'est comme ça que je procède. Voilà. En termes de planning, après j'ai un planning grossier de sortie de modèles. Ça va un peu avec la question suivante que j'ai notée, c'est est-ce que j'ai des modèles en attente ou est-ce que j'ai le syndrome de la page blanche? Je ne plaisante pas. Ce que je vais vous dire est totalement vrai. J'ai des modèles prévus jusqu'en 2027, au moins un par mois. Je sais exactement qu'est-ce que ça va être, quel type de projet, quelle construction, je sais quelle laine je vais utiliser, je sais quelle technique ce sera. Jusqu'en 2027. Et c'est pas toutes mes idées, c'est-à-dire j'ai d'autres. Donc j'ai un planning, j'ai écrit, voilà, tel mois, je vais sortir tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. C'est parce que j'aime bien faire des listes, en fait. Et c'est pas un planning rigide, c'est pour ça que je vous le montre pas. Je me suis dit, je vais peut-être vous le montrer, mais je me suis dit, je vais vous le montrer. Et puis je vais complètement changer d'avis et vous allez être fâchés. Voilà. Mais j'ai un planning, j'ai une liste. En janvier, je vais sortir tel truc. En février, je vais sortir tel truc, etc. Mais c'est pas fixe. Parfois, je vais changer d'avis. Ou parfois, je vais arriver au moment de commencer ce modèle et ça marche pas. Voilà, mon idée, ça marche pas.
ou j'arrive pas à peaufiner comme je voudrais, machin. Ou tout simplement, à un moment, j'ai une autre envie, je me dis, ah non, je veux faire ça là maintenant. Et puis du coup, je change mon planning, etc. Mais j'ai pas tellement la page blanche. J'ai beaucoup d'idées de modèles, beaucoup très définies, déjà, en fait. Et c'est juste que, ben, arrive le temps. Mais par contre, voilà, comme je vous dis, cette liste, ce planning de modèles qui va jusqu'en 2027, c'est pas. Je me dis pas, allez, il faut que je prépare ça parce qu'il faut que ça sorte tel jour. Non. Si ça sort pas le mois où c'est marqué, c'est pas grave. Si je change d'avis, c'est pas grave parce que je change beaucoup d'avis. C'est plus un plaisir de faire des listes et d'imaginer des saisons, voilà, de me dire, par exemple, pour les modèles printemps-été de l'année prochaine, je me suis amusée, je me suis rendu compte que il y a pas de dentelle, quasiment pas de dentelle. La dentelle qu'il y a, en fait, c'est des modèles qui sont sortis dans les magazines et qui vont ressortir. Et en fait, c'est pas intentionnel, mais ça fait une petite collection texturée sympa. Et parfois, je m'amuse comme ça à répartir les choses. Ou au contraire, j'essaie de varier, etc. Ça m'amuse d'imaginer, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est une base sur laquelle je base mon travail. Si je change d'avis, si ça ne marche pas, si j'ai une envie comme ça, et puis il faut que je la monte maintenant, et puis c'est tout, bah, c'est pas grave si je ne respecte pas cette organisation. Mais non, j'ai pas trop le syndrome de la page blanche. Pas dans le sens où je sais pas quoi faire. Après, ça m'arrive, comme je vous le dis, je commence un modèle comme ce que j'avais prévu, ça marche pas. Ou alors, mon idée était vague dans le sens où j'avais peut-être pas trouvé exactement le point que je voulais utiliser, ou j'avais pas dessiné le jacquard ou quoi, et j'arrive pas à trouver le bon truc. Et c'est pas grave parce que je vais passer à autre chose en fait. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Quel est le plus difficile dans mon métier? Très clairement, c'est la gestion des gens. Je veux pas avoir l'air de me plaindre ou de critiquer la communauté tricot parce que c'est pas du tout ce que je veux dire. En fait, c'est plus la gestion de mes réactions. En fait, il faut que je sois un petit peu plus sympa avec moi-même. Et c'est ça qui est assez dur, en fait, c'est de pas trop se mettre la pression. C'est bien de se remettre en question, c'est essentiel, mais moi j'ai un peu tendance à trop le faire. Et si je vois. J'ai pas le problème de comparaison, je me compare pas trop. Et surtout, c'est un peu. Je suis dans une situation tellement privilégiée et j'ai tellement de chance de vivre de mon activité. Et uniquement de cette activité. Comme je vous le disais, moi j'ai pas cumulé 1000 boulots. Je serais parfaitement indépendante si je vivais pas avec mon compagnon. Alors peut-être que je pourrais pas payer ce loyer-ci, mais je pourrais payer un loyer toute seule. Voilà, je m'en sortirais. Et c'est extrêmement rare. Comment dire, donc voilà, j'ai pas trop le problème de me comparer à telle ou telle personne parce que je trouve ça un petit peu indécent quand on est dans une position déjà de privilège. Donc c'est pas tellement que je me compare aux autres designers, c'est juste que si je vois un créateur faire quelque chose d'une certaine façon et que c'est complètement l'inverse de ce que moi je fais, je peux avoir tendance à me dire, ah mais ouais, mais ils ont trop raison, en fait, faudrait que je fasse ça aussi, il faut absolument, enfin, ça va pas, moi, ce que je fais, etc. Ou voilà, enfin, parfois, c'est rare, hein, mais parfois, j'ai des méchants commentaires de gens qui me disent juste, c'est nul ce que je fais, etc. Et je sais que rationnellement, c'est pas. C'est. Je sais rationnellement que ce n'est pas justifié, que ce n'est pas fondé
cette impression que ce que je fais est lamentable. Mais c'est difficile de pas trop plonger là-dedans, de pas trop tout le temps douter et tout le temps, voilà, peut-être que ça va avec le syndrome de l'imposteur aussi. Mais ouais, c'est un peu ça. Il faut apprendre à se faire assez confiance. Et si j'ai instinctivement, je sais que ça va, ou que sur un point, le truc négatif que j'ai vu n'est pas vraiment un reflet sur mon travail, sur moi, mais est juste une expression de l'individualité et juste la différence de fonctionner de différentes personnes. Il faut que j'arrive à me dire, voilà, c'est que ça, c'est des différences de goût, et peut-être que les personnes ne savent pas ça, et du coup les expriment de manière un petit peu trop catégorique, mais ils n'ont pas raison en fait de le faire, voilà. C'est comme je vous le dis, je me remets trop en question, je trouve, personnellement, voilà. C'est un peu ça mon problème, et voilà, ça implique un rapport aux gens qui est un peu difficile à gérer, qui est un peu trop. Qui con me consomme un peu. C'est pas ça que je veux dire. Si, consomme, ouais, si. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça me bouffe un peu trop parfois, ça. Et voilà, c'est un peu ça le plus difficile. Parce que tout ce qui est technique, comme je vous dis, moi, je fais ça parce que j'aime bien le faire. Et ce que j'aime pas faire, je fais pas. Voilà, tout simplement. Quand les aspects de mon travail qui me posaient problème, depuis 7 ans que je fais ça, bientôt, oui, j'ai arrêté en fait de faire ce qui me plaisait pas. J'ai trouvé des manières de faire autre. Voilà. Question, inspiration, quelle est l'inspiration pour mes modèles? Et il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce que je me diversifie, comment est-ce que je diversifie autant mon catalogue de modèles. Est-ce que je fais exprès? Est-ce que je prévois? Ou est-ce que c'est juste le plaisir? Alors, l'inspiration pour mes modèles, il y a beaucoup de modèles qui sont déduits de modèles précédents, c'est-à-dire que soit pendant l'expérimentation, j'ai testé un truc et je me dis, ah, mais ça marche pas pour ça, mais ça pourrait devenir autre chose. J'ai beaucoup de points de tricot, de dictionnaire de points de tricot, qui sont des sources d'inspiration après à modifier, à agencer, etc. Souvent, je remarque aussi des tricots, soit en vrai, soit dans les magasins, soit dans des films ou des séries, etc. Et je vais faire des captures d'écran. J'ai beaucoup de captures d'écran de trucs. Mais ouais, c'est vrai que la majorité, c'est plus inspiré par une technique, un point, voilà, un motif. C'est plutôt ça qui m'inspire. Donc ça va plutôt être des dictionnaires de points ou d'autres modèles, de mes propres modèles. Parfois des modèles de quelqu'un d'autre que j'ai vu, mais c'est assez rare en fait que. Parce que si je vois un modèle qui me plaît, j'ai envie de faire le modèle. J'ai pas envie de tirer un élément du truc et de faire ma propre sauce. Enfin, du moins, c'est pas un processus de création. Ce sera un processus de modification de ce modèle. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que c'est difficile hein, de remonter le processus d'inspiration, mais oui. Ça, par exemple, le point, j'ai trouvé dans un dictionnaire de points. Ça, le motif à la base, le pull à la base, il y a des nopes en quinconce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'essayais un peu de trouver pourquoi dans certains modèles, j'adorais les nopes et dans d'autres, je n'aimais pas du tout. Voilà. Il y a certains agencements de nopes qui ne me plaisent pas du tout. Parfois, il y a des tas de nopes ensemble et on dirait des œufs de poisson et ça me perturbe. Et j'aime pas trop non plus si c'est un pull tout en jersey avec les nopes qui ressortent. J'ai un peu de mal. Et en fait,
Moi, j'aime bien quand j'aime pas un truc ou quand j'ai un. Quand il y a un truc qui me. Je me dis, tiens, c'est. J'aime pas trop. Pourquoi j'aime pas trop? Est-ce que vraiment j'aime pas? Ou est-ce que c'est juste que j'ai pas trouvé la façon de faire qui me plaît, etc. Et du coup, ça fait un moment que je fais des modèles avec quand même beaucoup de nappes pour essayer justement de tester les limites de. Pourquoi sur ce motif ça me plaît, pourquoi ce motif ça me plaît pas. Et en fait là, je sais pas si vous voyez, ça fait des lignes texturées, vous voyez. Et dans la version originale, donc il y a des nappes en quinconce comme ça, encadrées par ces lignes. Et voilà, et j'ai ça c'est un des motifs que j'ai bidouillé parce que justement je voulais trouver une façon d'avoir un pull avec plein de nappes partout sans. Que ce soit comme je vous dis, les pulls, si c'est juste du jersey avec des nappes partout, j'aime pas trop. Et j'essayais de comprendre pourquoi. Et en fait, en faisant ce motif-là, je me suis rendu compte, ah tiens, c'est marrant, c'est parce que en mettant des lignes comme ça, là, ça me plaît. C'est un motif que j'ai d'abord utilisé dans un châle, et après j'en ai fait un pull. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Une extrapolation d'un motif. Voilà. Souvent en le changeant pas mal, ou alors c'est des modèles complètement différents, là, comme je vous dis, un châle. Le châle, c'est. Une bande juste dans un grand châle avec plein d'autres motifs. C'est le modèle lueur. Voilà, ça va être un élément d'un modèle qui va être transformé en autre chose. C'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Voilà. Et pourquoi, comment je me diversifie autant? C'est clairement que je n'arrive pas à avoir un style défini. C'est pas intentionnel parce que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne stratégie commerciale de faire des trucs variés. Si vous regardez les créateurs les plus populaires, ils ont quand même un style très précis. Ou un type de modèle qu'ils font qui est facilement reconnaissable. Et c'est ça qui marche en fait. Voilà. Si vous faites que des yokes en jacquard, vous allez avoir tous les fans de yokes en jacquard. Voilà. Et les gens aiment bien. Pouvoir reconnaître quelqu'un, pouvoir reconnaître un compte. Quand un compte Instagram ou un compte Ravelry est trop éclectique, bah, il n'y a pas d'image de marque qui se crée et c'est un peu triste à dire parce que quand on est quand même sur un milieu créatif, mais c'est triste à dire quand il n'y a pas ces notions d'image de marque et d'identification, etc. et de reconnaissance avec un seul, avec une identité claire, de reconnaître une identité claire. Bah, ça marche moins bien. Je pense que peut-être Rory Locatelli est peut-être l'exception qui confirme la règle, même si il y a beaucoup de gens qui quand même. Pour Rory, c'est le boxy, les formes comme ça. Voilà. Mais c'est peut-être elle qui est la plus variée. Alors que par exemple, si vous voyez, bah, Petite Knit, c'est des pulls très simples, la majorité du temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles qui divergent, hein, évidemment. Mais c'est juste qu'ils sont. Vous voulez un yoke en jacquard, vous allez voir Jennifer Stengas. Vous voulez un jeu de mailles glissées avec des couleurs bariolées, vous allez voir Andrea Mori. Vous voulez, je sais pas, vous voulez des torsades, vous allez voir Michelle Wang, qui est moins connue peut-être. Peut-être mauvais exemple parce que peut-être qu'elle est moins connue maintenant, Michelle Wang. Mais je sais pas moi, vous voulez des yokes en dentelle, vous allez voir Sarah Nordlund. Comment elle s'appelle? Valentina Bogdanova. Voilà, vous voyez des gens comme ça où, quand vous regardez leur compte, vous avez un peu l'impression de voir tout le temps la même chose. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'ils font tout le temps la même chose. Au contraire, moi, parfois je me fâche un peu quand les gens disent oh, tel modèle ressemble trop à tel autre, alors que c'est pas le même point, parfois c'est même pas la même technique. C'est juste que, voilà. Il y a un truc commun et parfois le truc commun est infime. Donc je suis pas en train de dire ça de manière négative, c'est juste qu'ils ont quand vous regardez le compte Instagram de Sarah Nordlund, quand vous regardez le compte Instagram de Caitlin Hunter, quand vous regardez le compte Instagram voilà de designers ultra populaires comme ça, de Petite Knit, de Ozeta, de My Favorite Things Knitwear, vous reconnaissez leur style, vous serez capable de dire à l'avenir, si vous voyez un de leurs modèles, vous aurez. Dire, ah, Steven West. Voilà, vous aurez le truc qui va vous dire, ah, ça me fait penser à ce designer, c'est pas ce designer. Et souvent, vous allez avoir raison. Voilà. Et je suis. Voilà, je dis pas que leur truc, tous leurs trucs se ressemblent de façon négative, parce que moi, je suis assez envieuse de ça.
J'aimerais bien, moi, avoir un joli compte Instagram où tout est uniforme, tout est beau, machin. Et j'arrive, mais j'arrive pas. Ça m'ennuie à mourir. Vraiment, faire plusieurs fois, faire tout le temps la même chose, j'aime trop de trucs différents. Je pense que c'est un défaut commercialement, honnêtement. Mais ça ne fonctionne que comme ça pour moi. Voilà, je peux pas faire que du jacquard, je peux pas faire que des torsades, que de la dentelle. Alors j'ai quand même, je pense, des trucs auxquels les gens m'identifient parce que c'est des trucs que j'aime bien. Faire des pulls tout en dentelle, par exemple. Voilà, des jacquards avec des motifs un peu aléatoires ou géométriques. Généralement, voilà, je pense que mon concept, c'est d'avoir aucun sens de la subtilité. Voilà, c'est peut-être ça mon style. Mais oui, du coup, non, c'est juste que c'est comme ça que j'aime tricoter, c'est ce que j'aime faire en tant que tricoteuse. Et du coup, bah, il se trouve que c'est aussi ce que j'aime créer. Alors, je dis pas que j'ai un catalogue ultra varié, parce que c'est pas vrai. J'ai quand même des gros trous. En termes de construction, en termes de type de projet, parce qu'il y a des trucs tout simplement qui ne me parlent pas ou qui se prêtent pas à ce que j'ai envie de créer. Mais en termes de techniques utilisées, par contre, là oui, j'aime tout. Peut-être que ce que j'utilise le moins, c'est la brioche, parce que la brioche classique, ça me parle pas trop. Par contre, j'utilise des points type brioche, ça j'en utilise pas mal, c'est juste que les gens appellent pas ça brioche parce que c'est pas. Voilà, le truc classique de deux couleurs, etc. Ouais. J'ai dit, ouais, non, c'est pas un calcul stratégique parce qu'en fait, c'est une très mauvaise stratégie d'être trop éclectique, je pense. Bref. Ensuite, j'ai des questions un peu aléatoires. Mon temps de tricot perso, ça va encore un peu avec mon organisation, mon travail, etc. Ouais, je tricote pour mes projets perso, donc le soir. Alors, je suis une couche-tôt, lève-tôt. Donc en fait, si voilà, j'arrête de travailler à 18h, je vais manger. Je ne mange pas beaucoup le soir. Je suis plus un gros déjeuner. Je mange pas beaucoup le soir, donc ça, c'est pas, je vais pas cuisiner quelque chose, mais je vais quand même faire un truc. Et détente, voilà. Et je vais tricoter un peu, mais pas beaucoup. Ou je vais filer, voilà. Le soir. Mais voilà, si je suis à fond sur un projet perso, ouais, je vais tricoter après 18h, mais par contre, chez moi, à 9h, il n'y a plus personne. Hein. Voilà, c'est fini. Parce qu'en fait, je dors beaucoup mieux tôt la nuit, et comme j'ai des problèmes de sommeil, si je me couche tard, c'est foutu. Je vais pas réussir à m'endormir parce que de toute façon, je vais quand même me réveiller à 6h du matin. Même si je me couche à 4h, je me réveille à 6h. Donc, voilà. Un peu le soir, mais sinon, c'est le week-end. Voilà, donc du vendredi, samedi, dimanche, je tricote que mes projets perso, sauf problème. Voilà. Mais voilà, mes projets perso, c'est le week-end. Et quand je prends des vacances. Ce qui n'arrive pas assez souvent, il faut vraiment faut que j'arrive à me poser une semaine de vacances là, mais je n'arrive pas parce que je voudrais lancer des tests pour le début d'année prochaine. Voilà, ma couleur préférée, rouille clairement. Alors j'aime toutes les couleurs, j'ai pas de couleurs que vraiment j'aime pas et des couleurs qui me vont pas et que jusqu'à longtemps, jusqu'à récemment, je disais, je vais pas porter par exemple les jaunes trop verts, trop voilà, forcément ça va pas. Mais j'aime ces couleurs et puis plus ça va, plus je suis en train de me dire, je m'en fous, ça me va pas en fait. Parce que ça me fait plaisir de voir cette couleur. Voilà. Mais j'aime toutes les couleurs. Mais ma préférée, c'est le rouge, tout ce qui est rouille, rouge-brun, acajou, rouille. Voilà, rouge-orangé, tout ce qui est. Ça, c'est ma couleur préférée. Après, je pense que c'est le teal. Mais vraiment teal plus vert. Vraiment entre les deux. Parce que parfois les gens appellent teal un bleu un peu turquoise foncé. Pour moi, ça c'est pas teal. Pour moi, teal c'est vraiment bleu, vert, etc. Voilà. Mais le rouille, c'est vraiment ma couleur préférée. Je pense que ça se voit. Ensuite, quelqu'un à qui j'ai répondu en commentaire parce que je trouvais ça très intéressant.
quelqu'un qui me dit quel poids de laine j'aimerais explorer davantage en design. Et cette personne me disait qu'elle trouvait qu'il y avait quand même beaucoup de modèles en figurine qui sortaient et très peu de déca. Alors, je vais d'abord répondre, moi personnellement, mon poids de laine préféré à tricoter, c'est la sport, parce que c'est plus rapide que la figurine et c'est pas trop chaud. En fait, ça fait partie des trucs où... Il faut pas oublier quand même que je tricote pour moi, je crée mes modèles pour moi au départ, et du coup, forcément, il va y avoir une part de mes goûts et de mes besoins. Parfois, j'ai des gens qui me demandent des trucs du style... Oui, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a dit oh, « j'aimerais bien un modèle de moufle double ». Doublé, en fait, vous savez, vous avez un double de moufle. Il y a des bonnets comme ça aussi, vous avez le... Vous faites deux fois le truc et vous repliez à l'intérieur. Moi, clairement, mes moufles doubles, déjà des moufles tout court, c'est vraiment, c'est genre une fois par an. Et si je suis dehors la nuit pour je ne sais quelle raison, voire je ne dors pas bien, donc je ne suis pas un oiseau de nuit. Vraiment, chez moi, s'il fait 0 degré une semaine dans l'année, c'est un miracle. Voilà, il y a des trucs où j'ai pas besoin. Et donc, c'est vrai que mes poids de prédilection, c'est plutôt des poids fins, mais mon préféré, c'est vraiment le sport. J'ai l'intention, dans ma fameuse liste de design à faire, il y a beaucoup de modèles plus épais que ce que je fais d'habitude, de déca, etc. Parce que j'ai envie de plus étoffer mon catalogue dans ce registre-là et que j'ai trouvé des fils qui me plaisent tellement et qui sont pas trop chauds pour moi, mais qui sont quand même épais. Voilà, et donc les gens pourront éventuellement prendre d'autres fils du même poids, mais avec des fibres plus chaudes, etc. Mais voilà, j'ai envie d'avoir plus de modèles sport, déca, vraiment déca. J'ai prévu pas mal de modèles déca. Surtout automne-hiver 2024. C'est ça le... Oui. Quelle année? Et dans quelle année est-on? On ne sait pas. Ouais, donc j'ai envie de faire plus de modèles, notamment de vêtements en laine épaisse, mais le problème c'est que voilà, il m'a fallu un certain temps pour trouver des fils que je pourrais quand même porter, même s'il ne fait pas très froid chez moi, et je ne suis pas très frileuse. Donc c'est un problème. Voilà pour ça. Ce que je voulais revenir sur ce que dit cette... dans ce commentaire, la personne disait donc qu'elle voulait plus de modèles en déca parce qu'elle voyait que des modèles en figurine, et que des modèles en figurine, etc. Et moi j'aime bien quand... je pense que c'est une opinion que beaucoup de gens ont. Peut-être que vous aussi vous dites, ouais c'est vrai, il y a très peu de modèles en déca qui sortent, etc. Moi j'aime bien quand les gens ont quand il y a des idées reçues comme ça, vérifier et comparer en fait la réalité du marché à l'opinion des gens. Pas pour dire aux gens « mais vous dites n'importe quoi ». Non, non, pas du tout. C'est juste, je trouve ça intéressant justement. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Est-ce que c'est vrai? Et si c'est pas vrai, pourquoi on a quand même cette impression? Ça, par exemple, il y a quelques mois, je l'ai fait en été parce que on entend beaucoup sur les modèles d'été, les t-shirts, les débardeurs, que « oh, il n'y a que des cols hyper près du cou, machin, personne ne fait des cols V, etc. » Ou alors « il y a beaucoup moins de cols V que des cols près du cou, etc. » Du coup, quelques mois, je l'ai regardé. Pour les tops d'été, le modèle le plus populaire, le modèle d'encolure le plus populaire, c'est le scoop, donc c'est très dégagé comme ça. Ensuite, c'est le col V. Voilà. Et ensuite seulement, c'est le col rond, d'assez loin derrière, pour les modèles d'été. Voilà. Et donc c'est marrant, parce que c'est pas vrai, cette idée reçue. Pourquoi est-ce qu'on a cette idée reçue? Je pense que c'est parce que, quand on regarde les designers les plus populaires, leur style... ça va être des cols ronds, et du coup on a l'impression qu'on voit que ça, alors que dans la réalité des faits c'est pas vrai. Et là par exemple, pour y a très très peu de modèles en déca qui sortent, quand j'ai lu ce commentaire, je dis tiens c'est marrant, parce que moi je sais que c'est pas vrai, moi je me doutais que le poids le plus populaire c'était la déca, justement. Et du coup j'ai vérifié. Alors déjà chez moi, ma proportion de modèles, donc j'ai 155 modèles, sur Ravelry, et donc parmi ces 155, il y en a 60 qui sont minimum en sport. Si j'enlève les chaussettes, qui sont principalement en figurine, pas que, parce que j'en ai 3 qui sont... Enfin, vous allez voir. Si j'enlève les chaussettes, parce que voilà, chaussettes, figurine. Donc ça fait 125 modèles, et sur ces 125 modèles hors chaussettes, 57 sont à minima de la sport.
Après, il y a des histoires d'échantillons qui peuvent être utilisés avec différents poids de laine, mais là, je suis vraiment partie du principe où j'ai fait mon prototype, au moins en soi. Voilà. Donc, chez moi, c'est à peu près la moitié fingering et la moitié plus. Mais je sais que, voilà, quand j'ai lu le commentaire de la personne, je me suis dit, moi je pense quand même que la majorité des modèles qui sortent, c'est plus de la déca. Et effectivement, si on va sur Ravelry, tous les modèles jusqu'à fingering, donc dentelle, fingering légère, fingering, il y a 120 000 modèles sur Ravelry. Jusqu'à fingering inclus. Voilà, 120 000. À partir de sport, et jusqu'à bulky, super bulky, machin, c'est chunky. Non, c'est jumbo, jumbo le maximum. 870 000. Vous allez me dire, c'est normal, il y a beaucoup plus de différence de poids de laine. Mais c'est quand même vachement disproportionné. Donc en fait, penser qu'il y a que la majorité de modèles en fingering qui sortent, c'est pas du tout vrai. Et en fait, j'étais surprise d'à quel point c'était pas vrai. En lisant le commentaire de la personne, je me suis dit, non, je pense qu'il y a plus de modèles en déca, mais qu'il y a effectivement quand même beaucoup de modèles en fingering. Moi, dans ma tête, c'était déca et pas beaucoup après fingering. Voilà, en termes de popularité de fil. Et j'avais complètement tort aussi. Parce que le top des poids utilisés sur Ravelry, c'est d'abord la DK, effectivement, puis la Worsted, puis la Haran, et ensuite la fingering. Il y a plus de modèles en Haran que de modèles en fingering. Ça m'a beaucoup surpris. Et c'est pire que ça, même si on combine les poids fingering et fingering légère, donc fingering légère, ça va être tout ce qui va être à partir de 425 mètres au 100 grammes. Sur Ravelry, c'est classé en fingering léger. Et même si je combine ça avec la fingering, ça ne monte qu'en troisième position. Donc il y a plus de modèles worsted que de modèles fingering et light fingering, fingering légère combiné. J'étais très surprise de ça. Et voilà, je trouve ça intéressant. Si on regarde les accessoires pour le coup, parce que ça c'est intéressant, je me suis dit, tiens, là c'est tout modèle confondu. Si je regarde juste les accessoires, parce que c'est vrai que peut-être que cette personne voulait des accessoires épais. Qu'est-ce que ça donne? Moi, les accessoires coûts, je suis assez fière de moi. Parce que sur 44 modèles, il y en a 13 qui sont au moins tricotés en sport. Donc je dis châle, écharpe, col, etc. Je trouve que 13 modèles sur 40, donc ça fait quoi? Ça fait un quart? Je sais pas. Bref, 13 modèles sur 44. Je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui vit dans le sud de la France. Bref. Sur Ravelry, donc châle, col, écharpe, etc. Effectivement, fingering, c'est la première. 45 000 modèles. Mais la DK est pas très loin. 31 000. J'étais surprise. Et je suis extrêmement surprise du reste du déroulé parce que ça fait DK 31 000. Worsted 28 000. 28 000 modèles d'accessoires pour le coup en DK. Haran 26 000. Bulky 17 000. Sport 16 000. Il y a plus de modèles bulky que de modèles sport, pour le coup. C'est vrai que l'épaisseur sport n'est pas très populaire, mais il y a plus que de light fingering. Après, c'est super bulky, 15 000. Et ensuite, seulement la dentelle à 14 000. Vous savez, c'est tous les châles traditionnels, machin, etc. Et la fingering légère à 9 000. Je ne comprends pas comment il peut y avoir plus de modèles super bulky. Donc il y en a 15 000 que de modèles fingering légères à 9 000. C'est quand même une grosse différence. Bref, j'ai surprise. Donc voilà, je trouve ça marrant hein, quand on a des idées reçues. Et vous voyez, moi j'avais vraiment l'impression y a plus de modèles DK de manière globale et la fingering juste après. Et c'est pas du tout en fait. C'est très loin. c'est marrant. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là? Je pense que comme toujours, c'est un problème de surreprésentation sur les réseaux. Comme je vous le dis, pour l'école dégagée, là, le problème, c'est que les designers les plus populaires, elles ont le style inverse. Donc si vous, vous voulez des cols dégagés et que vous voyez tout le monde tricoter les mêmes 5-6 designers qui se battent, et qu'elles font toutes le même style, parce que voilà, c'est ce qui est populaire en ce moment, bah, vous avez l'impression qu'il n'y a que ça, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et je pense que c'est pareil pour les épaisseurs de laine, parce qu'il y a une surreprésentation sur les réseaux sociaux des laines teinte-main. Alors que c'est pas du tout ce que les gens utilisent en majorité, hein, forcément. Et en fait, ce qui se passe, je pense, c'est une hypothèse, c'est que
les laines tintement, les gens vont plutôt privilégier des projets en fingering parce que sinon le budget ça fait beaucoup trop cher en fait. Faire un projet en déca, déjà de manière générale, un projet en déca, même si vous prenez de la laine commerciale, c'est plus cher parce que vous devez acheter plus de pelote parce qu'il y a moins de métrage par pelote. Et pour peu que vous fassiez une texture ou un truc, là vraiment il va vous falloir des quantités folles. Moi je sais que si je prends une quantité de pull pour moi, il me faut 1200 mètres en fingering et en déca, il me faut. Je peux passer dans 1000 mètres, mais c'est vraiment sans faire quelque chose de folichon, quoi. Sans vraiment faire des motifs ou quoi. Et encore, il faudrait que je tricote assez déjaugé, il ne faut pas que le pull soit trop grand, etc. Voilà. Pour la laine teinte-main, je peux vous dire exactement, si je prends la laine teinte-main fingering, je prends 3 échevaux pour me faire un pull. C'est très rare qu'il me fasse un 4e écheveau. C'est vraiment parce qu'il y a un point texturé qui mange beaucoup de laine ou parce que je fais un gilet long, un truc comme ça, quelle idée. Voilà, c'est très rare qu'il me fasse 4 échevaux de fingering pour un pull. Mais si je veux de la déca, 4 échevaux, ça passe pas. Je suis pas assez... c'est pas assez sécurisant. Il me faut 5 échevaux, donc voilà. Fingering, 3 échevaux, déca, 5 échevaux. Sauf que globalement, si c'est la même matière, disons du mérino, voilà, si c'est la même matière, bah, ça va être le même prix, les chevaux. Et donc, bah, il faut que j'en paye 2 de plus, voilà, pour faire de la déca. Et du coup, voilà, je pense que, vu qu'on voit beaucoup, beaucoup de laine teinte-main sur les réseaux, et voilà, c'est comme ça, c'est un très beau travail, voilà, et que la majorité, à tes souhaits, la majorité des gens n'ont pas le budget pour faire des projets en laine teinte-main, en déca, ben voilà. Il n'y a qu'à voir quand il y a des modèles en déca qui sortent de grands designers en collaboration avec des teinturiers et que c'est de la déca et qu'il faut 15 000 couleurs et que c'est des trucs texturés donc il faut beaucoup, beaucoup de fils et que du coup le pull il te coûte 400 euros. Il n'y a qu'à voir la réaction des gens. Et voilà. Donc je pense que c'est peut-être ça qui joue. Le fait que comme on voit beaucoup de laine teinte-main sur les réseaux et que c'est principalement de la fingering pour des questions de budget, du coup on a l'impression qu'il n'y a que de la fingering. Après il y a un peu le problème du doublage avec le mohair en tant que tel, qui est encore très très populaire en ce moment. Mais voilà. Belle petite aparté, statistique, tout ça. Mais ouais, si vous avez l'impression que une impression sur le marché de modèles tricotés, n'hésitez pas du coup à regarder, tiens, je vais regarder sur Ravelry parce que vous avez tout le détail et vous avez quasiment toutes les caractéristiques possibles. Et donc vous pouvez regarder si votre idée reçue elle est vraie ou fausse. Et si elle est vraie, bah, comme ça vous êtes content, vous pouvez vous plaindre. Et si elle est fausse, c'est intéressant de se demander pourquoi. Bref. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas pour... Je me moque pas des gens qui pensent qu'il y a que des t-shirts en col rond. Et si vous avez cette impression, c'est qu'il y a une raison, justement. Et du coup, c'est intéressant de voir pourquoi. Et peut-être d'essayer d'arranger la cause. Et du coup, de partager l'autre truc, de partager plus le truc dont on avait l'impression qu'il n'existait pas. Et en fait, si, mais juste, il faut le partager davantage, peut-être. Enfin, quelques questions un peu vrac pour terminer. Est-ce que j'ai prévu de faire un pull de Noël en jacquard? Pas forcément cette année. J'ai deux pulls en jacquard qui pourraient faire pull de Noël. J'en ai un que j'ai tricoté il y a 2 ans, qui est le Festive Yoke de Skandiernitz, que j'ai tricoté en rose et rouge, que j'aime beaucoup, que j'ai pas pu porter l'année dernière parce qu'il faisait trop chaud. Que j'aime beaucoup. Voilà. Et mon pull Colin, mon modèle que j'ai sorti récemment, finalement fait assez pull de Noël. Donc ouais, après j'ai des modèles de jacquard que j'aimerais bien faire, je sais pas si j'arriverai à les faire cet hiver, mais ils font pas spécialement Noël, sauf peut-être, j'aimerais bien me faire un pull dont j'ai oublié le nom, je vais vous le mettre ici, c'est un modèle de Susan Anderson, vous savez c'est une créatrice qui s'inspire pas mal de modèles vintage, qu'elle trouve dans des musées ou dans des vieux magazines, etc. et qu'elle... Elle fait des patrons à partir de ça, elle modernise parfois les coupes ou parfois juste elle reproduit en donnant des instructions et en gradant pour une audience moderne, etc. Donc c'est cool.
Et c'est un de ces modèles, un des plus connus. C'est un pull tout en jacquard, dans des tons blanc, bleu, rouge et ocre. Et j'aimerais bien me le tricoter. Mais je sais pas si ce sera cette année parce qu'il est en finurie, mais voilà. Et ça prend un peu de temps. Et l'autre modèle en jacquard que j'ai envie de faire, c'est un des modèles de Sari Nordum qui est sorti récemment. Elle a sorti deux modèles en jacquard, coup sur coup, en laine épaisse, noir et blanc. Et il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, que j'ai prévu de me faire, mais voilà, c'est noir et blanc, est-ce que ça fait très Noël? Mais bon, ça fait... voilà, c'est un gros pull en jacquard. Voilà. Il y a d'autres modèles en jacquard que j'ai envie de me faire, mais c'est deux exemples qui peut-être peuvent faire pull de Noël. Mais je sais pas si je vais les faire cette saison. Est-ce que j'ai envie ou l'idée de créer un patron de robe? Je sais pas. J'ai bien une idée de robe. J'ai envie de me tricoter des robes. Est-ce que j'ai envie d'en faire un patron? C'est autre chose. Parce que on revient au problème de créer quelque chose pour soi et en faire un patron. C'est deux choses très différentes. Le problème des robes, c'est que déjà c'est long. Et donc ça veut dire passer beaucoup de temps sur un modèle qui potentiellement aura une très faible audience parce que voilà, sauf miracle, c'est quand même, c'est pas perdu d'avance, mais disons que je sais que si je sors un modèle de robe, c'est comme si je sais que je sors un modèle tout en jacquard un peu farfelu, je m'attends pas à ce que ce soit mon plus gros succès, vous voyez. Parfois j'ai des surprises, mais généralement j'ai assez raison. Voilà. Et voilà, typiquement, je sais qu'un modèle de robe. Le problème, c'est que quand il y a une minorité qui cherche quelque chose de spécifique, elle est très vocale. Donc, je suis sûre que là, vous allez être dans les commentaires à dire, mais si, moi, je veux à fond tricoter un modèle de robe, etc. Mais la réalité, c'est que le public va être quand même plus restreint, alors que ça va me demander beaucoup de travail. Et surtout, mon problème, ça va être de choisir une coupe et de choisir une gradation. J'ai une morphologie assez standard en haut. Et j'ai quand même déjà bien conscience que quand je grade un pull ou un vêtement, le haut du corps, c'est déjà. Comment dire? C'est déjà compliqué de prendre en compte beaucoup de morphologies différentes. Je parle pas en termes de tour de buste. Grader pour différents tours de buste, oui. Expliquer aux gens que tout le monde a un ratio d'épaule, de tour de bras, de buste, hauteur, etc. Hauteur d'emmanchure, carrure dos, épaule, etc. Position des seins différents, ça c'est compliqué. Et donc grader pour minimiser les problèmes et être capable de d'aiguiller les gens qui ont des morphologies différentes avec lesquelles ma proportion de base n'irait pas, est-ce qu'ils peuvent modifier, comment modifier, aiguiller les gens sur ça. C'est déjà compliqué sur des pulls, bah alors sur des robes. Surtout que, comme je vous dis, j'ai une morphologie normale en haut. Par contre, dans l'ensemble, ça va pas du tout. J'ai trois tailles de différence, deux, trois tailles de différence entre le haut du corps et le bas du corps. Et du coup, moi, les robes, les formes de robes qui me vont, ce sont des formes très spécifiques. Parce que sinon, ça ne va pas. C'est trop grand en haut, c'est trop serré en bas. C'est pas joli, ça me plaît pas, je peux pas bouger. Voilà, je peux pas marcher avec. La forme de robe qui m'irait, du coup, ce serait de faire un haut ajusté, soit cache-cœur, soit juste ajusté, avec une taille très marquée, et de vraiment évaser la jupe ou de la faire très souple, fendue, éventuellement, vraiment pour que ça passe. c'est pas forcément une coupe que je trouve très jolie. En tricot. Les modèles de robes de tricot que je vois qui moi me plaisent, c'est des modèles qui ne m'iraient pas du tout. Et donc il y a un peu ce problème-là. Est-ce que je crée un modèle de robe qui me va à moi, parce qu'il va bien falloir que je le porte. enfin, voilà. Et le problème, c'est que j'ai une morphologie spécifique. Et du coup, ça, je vais faire un modèle qui ira que aux gens qui auront ma morphologie. C'est difficile à entendre, ça. C'est difficile à comprendre. Encore plus pour une robe. Donc je vais passer beaucoup plus de temps à préparer un modèle qui sera pas très populaire. Et en plus, intentionnellement, il irait qu'à très peu de monde. Voilà. C'est pas une très bonne idée, je pense. Ça va peut-être me prendre un moment.
Honnêtement, je suis plus... J'ai envie de me tricoter une robe, j'ai envie. Je pense plutôt que je vais suivre le modèle de quelqu'un d'autre en trouvant un modèle avec une coupe proche de ce qui me va. Voilà, parce que c'est soit ce que je vous dis, soit il faut que ce soit un truc énorme, difforme. Et moi, j'aime bien. Il y a un patron de petite knit, la Chestnut Dress, qui est comme ça. Je... Voilà. Et du coup, il y a déjà un patron comme ça. Voilà, je sais pas... C'est les robes qui me vont. C'est pas les robes que je trouve les plus jolies. Si j'ai quand même envie de m'en tricoter une pour moi, mais je pense qu'il faudrait que j'expérimente en modifiant quelque chose. Et peut-être qu'à partir de là, une idée me viendra pour faire un modèle de robe que je trouve beau, qui m'aille, qui soit facile à modifier pour les gens qui ont une autre morphologie. Voilà, parce que voilà, c'est trop, c'est encore plus compliqué de jouer, de combiner haut et bas. Comme je vous le dis, moi je trouve que c'est pas très joli. Je voudrais des robes patineuses et je trouve pas ça très joli, personnellement, en tout cas. Voilà. Ce qu'ils appellent robes baby doll, des trucs comme ça. J'aime pas trop. Je trouve pas ça très beau. Et donc il faut que je joue. Moi je trouve ça très joli. Il y a certains modèles de robes. Là récemment, il y a plusieurs robes qui sont sorties, des robes. Ajustées, vraiment très belles, etc. Dans des matières comme du lin, etc. Je trouve ça magnifique. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas faire ça. Ça rentre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec ma morphologie. Et ce n'est pas modifiable au point. Il faudrait faire quelque chose de très drastique. Et le problème, c'est que comme je vous dis, moi, il faut qu'à partir de là, ça part dans tous les sens, en fait. Et je ne peux pas graduellement épouser ma forme parce que ce n'est pas graduel, en fait. Et ouais, du coup, il y a un conflit entre ce que j'aime, ce qui est possible de faire, ce qui prendrait trop de travail pour un résultat pas satisfaisant. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me travaille, mais ouais, je compterai pas trop dessus. Voilà. Deux autres questions en rapport avec la dentelle. Qu'est-ce qui fait qu'une dentelle est dite japonaise? Les dentelles japonaises, c'est... Ça fait principalement référence au travail d'Itomi Shida, donc, qui est une créatrice de tricot d'origine japonaise, qui a publié des dictionnaires de points de tricot avec son travail, ses points inspirés de traditions japonaises et des choses qu'elle a créées elle-même, etc. Je fais n'importe quoi encore, je fais des mailles en verre au lieu de faire des mailles en droit. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que ça va être une dentelle qui est plutôt pleine. Par opposition aux dentelles très ajourées, type dentelle Shetland estonienne, où on est composé principalement de jeux de jetés et de diminution. Voilà, et donc ça va être quelque chose de très ajouré avec plein de trous partout. Les dentelles japonaises, non, va y avoir plus de matière pleine, sans trous, avec des textures. Donc côte torse, des jeux de mailles en droit, mailles en vert, des mailles enroulées, des nopes. Voilà, ça va être plus texturé qu'ajouré. Voilà, c'est un peu ça la distinction. Souvent, ça va être assez chargé. Voilà. Parce que voilà, ça combine plein de trucs, donc ça va avoir cette impression assez chargée. Donc c'est un peu ça, la différence d'inspiration. En fait, c'est un style. C'est comme le jacquard ferraille, c'est pas tous les jacquards qui sont ferraille. Le ferraille, c'est une tradition, c'est un esthétique particulier. Bah, les dentelles japonaises, c'est une esthétique particulière. Et voilà. Et dernière question, bloquer de la dentelle sur un pli, comment on fait pour bloquer de la dentelle quand on a de la dentelle partout? Par exemple, un pull en dentelle. La personne donnait des exemples de mes modèles avec la dentelle, notamment sur les manches ou sur les épaules. Quand vous faites sécher le projet à plat, comment vous faites? Parce que vous allez faire un pli. De manière générale, je déconseille fortement de bloquer des vêtements avec des peignes ou des épingles, sauf si c'est absolument nécessaire. Je vois souvent des gens, des fois, quand ils bloquent leur tricot, ils mettent des peignes partout, là, 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 alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà, si la ligne, elle est à peu près droite, vous n'avez pas besoin de... Vous allez créer un pli, donc faites pas ça. Hein. Voilà. Ensuite, ça va être très dépendant du type de fil que vous utilisez. Si vous devez étirer quelque chose, si quelque chose doit s'étaler, donc de la dentelle. Voilà, vous tricotez de la dentelle, il faut que ça s'étale quand vous le bloquez.
ça va être beaucoup plus facile si vous utilisez un fil qui a tendance à s'étaler tout seul. Donc les fils plutôt plats, c'est-à-dire les fils single et les fils deux brins. Voilà. Et les fils avec du drapé, donc les chaussures de l'alpaga, de la soie, du BFL, etc. Voilà. Si vous prenez un fil très retordu, 4 brins, lisse, très rebondi et élastique, là, vous allez un peu plus galérer. Donc voilà, première chose, essayez de partir sur des fils qui s'étalent tout seuls. Et là, ce que vous avez juste à faire, moi, quand je bloque un pull avec la dentelle, quand j'ai bloqué mon pull Oleander, par exemple, qui est tout en dentelle, ce que je fais, c'est que je mets le truc à plat et j'étire avec mes mains à partir du centre du projet. Donc là, imaginez d'ailleurs la manche de mon tricot, ce que je fais, c'est que j'étire comme ça au centre, voilà, et j'assouplis, je secoue un peu, machin, mieux, tout ça. Si vraiment il faut que j'épingle, parce qu'il faut que j'étire quelque chose, ou que je mette en forme, parce que c'est disgracieux, ce que je fais, c'est j'épingle, mais je laisse pas épingler tout le temps. Quand le projet est encore un peu humide, pas tout à fait sec, j'enlève tout. J'enlève les pinces, j'enlève les épingles, les peignes, les tout. Quand le projet est encore un tout petit peu humide, et au toucher, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le pli. Donc s'il y avait un pli, admettons, hop, j'ai bloqué ça comme ça, là j'ai dû mettre un peigne ici pour que ça s'étire. Et donc là j'ai un pli ici. Ce que je vais faire, c'est que pendant que c'est encore humide, je vais prendre mon tricot et je vais hop, tirer comme ça sur le pli que j'ai créé. Donc ça peut être un pli sur le côté, ça peut être un pli en haut de la manche. Ce qui est pratique, c'est de passer ses mains dans sa manche, vous passez les mains dans la manche et vous tirez comme ça un petit peu. À l'inverse du pli, voilà, si vous avez un pli vertical, vous l'étirez dans l'autre sens, voilà, pour le défaire un petit peu. Et faites un peu ça jusqu'à ce que le projet soit complètement sec. Mais il ne faut pas laisser les peignes jusqu'au bout du séchage, parce que c'est là que c'est foutu, vous avez un pli, et voilà, et bon courage. Voilà, donc, utilisez un fil qui s'étale, donc deux brins single, alpaga, soit dentelle, BFL, oui, pas de fil trop rond avec trop de brins, trop élastique, parce que c'est là que vous allez devoir épingler, et là c'est plus difficile. Si vous devez épingler, laissez pas jusqu'au séchage. Voilà pour cette foire aux questions. Cette vidéo va être super longue, je perds ma voix. Voilà, il est midi, faut que je fasse à manger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tricot discussion, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que les autres vidéos de ce type seront plus courtes. Parce que là, c'est vrai qu'avec la foire aux questions, du coup, j'avais beaucoup de sujets différents à aborder, que j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me suggérer des thématiques que vous aimeriez aborder, que j'aborde dans des vidéos comme ça, voilà, où je tricote sur un projet tout en discutant. J'espère que vous passez une belle après-midi, soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !